saluer tous l'assistance qui est là. Le fondateur de ce parti qui est Bambassé, qui est promoteur de ce camp, de cette deuxième édition, le samedi qui l'entoure, les membres animateurs et encadreurs de l'ASCBOC, qui est partenaire et hôte de ce camp de basket, bien entendu les acteurs aussi du centre d'accompagnement et des BOC et toute l'USE. Au nom vraiment de tous ces acteurs, nous tenons à vous saluer et à vous souhaiter la bienvenue et réitérer encore tout notre soutien, toute notre disponibilité à accompagner l'initiative de Bambassé. Le camp va réunir 170 enfants, dont 120 ici de la banlieue et 50 de Dakar. Aussi va regrouper 40 athlètes ici des associations handicapées. Par rapport à ces camps, à partir du 15, le lundi 15, on sera à Yéhéway, à l'école 16. Le 17, nous serons à Yumbol, au centre social de GNDC. Le 17, camp parcelle à Sini, unité 19. Le 18, on sera à Balifort. Le 19 et le 20, ce sera le tournoi de football au niveau de la corniche des Gerchelins. Le 21, c'est la journée de l'assainissement humain ici. Le 22, 23, 24, ce sera le camp de Dakar ici. Et le 27, il y aura le randonnée pédestre. Le 28, la journée de zéro déchet. Il y aura des innovations. Donc, comme j'ai toujours dit que, en fait, on veut faire autrement les camps. Donc, mettre un peu d'événementiel et faire un cadre professionnel pour les enfants. Et derrière, il y aura les camps itinérants qu'on n'avait pas fait l'année dernière. Donc cette année, on a rajouté les camps itinérants et tournois de foot et randonnée pédestre. Vu que Pompe, c'est notre base, c'est pour ça qu'on est resté là, et tout en laissant grandir, aller dans les banlieues. L'attente, c'est la réussite. Donc la réussite de notre événement, de notre camp. Et ce qui m'a poussé à faire ces camps, c'est que j'ai fait un constat par rapport à la formation. Depuis pas mal de temps, notre formation a un peu baissé. Donc on s'est dit qu'on va faire des camps de basket pour essayer de développer ça. De toute façon, c'est juste des camps. Et pour la suite, on y travaille. Donc voilà, donc certainement il y aura une suite, mais pour l'instant, on ne peut rien dire. Mais l'essentiel, l'instant présent, c'est l'épanouissement. Et donc voilà. Former à l'US Gorée, c'est ça qu'on dit, à l'US Gorée, et j'ai fait 2-3 ans là-bas. Et après, je suis venu à Bordeaux grâce à M. Diop. Donc après, il était parti, il m'a laissé tout seul. Il est parti au Liban. Et donc voilà, donc j'ai fait 3-4 ans ici. Et par la suite, je suis parti en France. Donc voilà, donc j'ai continué à France et j'ai joué jusqu'à National 1. En fait, c'est dans le programme. Parce que l'année dernière, on avait fait le tournoi de foot après notre programme. Et cette année, on s'est dit, on va le mettre dedans. Comme ça, il y aura toute l'équipe sur Fali. Parce que c'est difficile quand même de faire 10 jours et de regrouper tout le monde. Vous avez vu, tous nos soeurs et frères, ils sont là, qui nous aident. Donc on ne peut pas les mobiliser pendant un mois. Donc on s'est dit, dans les 10 jours, on va essayer de tout faire.